Le vieux dictateur criminel qui a fait assassiner plus de 310 personnes pour se maintenir au pouvoir, empêche dans le même temps une manifestation pacifiste de candidature indépendante, pendant qu'il fait de beaux discours devant la clientèle populiste de son parti qui lui a juré fidélité, qui a ses cotisations au parti prélevées sur ses salaires, que l'opinion internationale ne citeront pas. Vous avez devant vous, et on ne le dira jamais assez, un dictateur criminel qui n'hésite pas à faire saluer la foule comme un autre dictateur bien connu. C'est cela la démocratie en Guinée équatoriale?